La nuit des étoiles, épisode 24. Pareil, mais différemment. Je pense que nous ne pouvons rien faire. Profitons au moins de nos derniers instants de mouvement et de parole. Mais... Maman! Papa! Je ne veux pas vous perdre! Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Nous serons toujours avec toi. Dans ton cœur. Et tu as Percé avec toi. Percé? Toi aussi tu vas partir? Voyons, Andromède, ne t'en fais pas. Peu importe les événements, je sais qu'on se retrouvera toujours un moment ou un autre. Regardez tous ces adieux, c'est magnifique. Peu importe ce qui nous arrivera, sachez que ce fut une très belle aventure, mes amis. C'était un plaisir de t'avoir rencontré, Orion. Pour moi aussi. J'ai vu tellement de paysages. De même. Tu as su m'en apprendre beaucoup, Orion. Merci à toi. Tout le plaisir était pour moi, Jack. Je te souhaite une belle aventure à bord d'un nouveau bateau. Allez, Sirius. Il va être temps pour nous de retrouver notre place. Arcas, ma fille, je suis si heureuse d'avoir pu te parler. Moi aussi, maman. En plus, on se voit toujours. Oui, pour toujours, je veillerai sur toi. Ah, Draco, c'est vrai que tu es là aussi. Ne t'en fais pas, Callisto. Je veillerai sur ta fille jusqu'à la fin des temps. Tu as ma parole. Tu vois, cher Hydre, maintenant que nous avons vécu tout cela ensemble, je me sens moins effrayé à l'idée de me retrouver sur ton dos. Ouais, c'est bien parce que je peux plus bouger que tu vas rester en vie. Oui, aussi, ouais. J'arrive pas à croire qu'il est encore en vie, le piaf. Et pourtant, il est bien là, devant vous. J'ai vraiment adoré vivre cette épopée à vos côtés, mes nouveaux amis. Nous devrions le refaire un jour futur. Qu'en dites-vous? Plutôt mourir. Alors peu importe votre avis, je me trouverai peut-être d'autres compagnons d'aventure. En attendant, retournons à notre place. C'est étrange, cette sensation. Nous sommes pareils, mais différemment. À demain pour la nuit des étoiles. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.